Bonjour, vous allez bien? vous êtes venu voir les abeilles? Bah oui, bah en fait j'ai ma tatie qui habite là. On est venu faire un petit déjeuner chez elle. Ouais. Elles habitent juste là? Elle habite là. Ah, par là-bas? Ouais, d'accord. Les sont en bas. Ok, vous êtes venu voir les abeilles? Et du coup, voilà, je lui ai dit, mais je vais venir voir les abeilles. Vous avez vu, ça travaille, hein? Moi aussi, je suis venu les voir. Je suis venu voir s'il n'y a pas des frelons qui passent à l'attaque. Ah. Ça commence un petit peu. Donc je suis venu voir. Tous les jours je viens, je regarde. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup hein, là. Il n'y en a même pas. Ouais, tu peux le caresser, il est gentil. Mais voilà, il y a un timing à respecter. En général, c'est lui qui vient de voir. Il reviendra peut-être. Non, mais c'est parce qu'il a vu quelqu'un sortir là-bas, donc il est allé le voir. Il va revenir. Tu veux aller caresser les abeilles? Il y a des enfants qui l'ont fait l'autre jour, tu sais. Mais bon, je te conseille pas de le faire quand même. Je te conseille pas de le faire. Ils l'ont fait, c'était vraiment très spécial ce jour-là. Normalement, on le fait pas. Alors, la ruche. Là, les ruches vertes, là, vous pouvez considérer que c'est des boîtes vides. D'accord. C'est des boîtes vides. Et à l'intérieur, c'est comme un abri et les abeilles en profitent pour construire des rayons à partir du haut. D'accord. Elles collent le rayon en haut, et ça descend et ça fait des rayons de cire, vous avez dû voir ça, ouais. Avec des alvéoles. Et c'est fini, c'est tout, c'est ça une ruche. Hein. Ah oui. En fait, si on veut, c'est juste un abri, hein. C'est comme une niche, c'est comme un nichoir pour les oiseaux. Hein. Si on veut, on peut considérer que c'est ça. Alors après, les apiculteurs, pour que ce soit plus facile de retirer les rayons pour les observer et puis prendre du miel, alors ils mettent des cadres. Comme ça, on peut retirer le cadre et le remettre. Alors que si c'est juste des rayons collés, vous imaginez que dès que vous le décollez, ça tombe par terre et c'est foutu. Mais il y a quand même, là, ces ruches, là au milieu, vertes, c'est des ruches varées. Et souvent, les apiculteurs ils mettent pas des cadres, ils mettent juste des barrettes, une barrette en haut. Mais c'est fragile. C'est fragile, donc là il faut un savoir-faire quoi. Ils disent qu'ils s'en sortent très bien, mais tout le monde s'en sort pas très bien. C'est-à-dire que quand vous décollez la barrette, bah après vous êtes pas bien. Après c'est dur à gérer. Donc moi je suis plutôt dans ce cas-là. Donc moi je me suis pas cassé la tête, j'ai mis des cadres dans les barrettes. Mais pas toujours, des fois je mets des barrettes, ça dépend. Ça dépend ce que j'ai sous la main en fait. Et là, alors la rose et bleue, c'est une ruche horizontale. Alors, pour l'anecdote, ça s'appelle aussi une ruche kényane. Et ça a été inventé par des Canadiens qui ont pensé que les Kényans auraient peut-être besoin d'un nouveau type de ruche. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi ils se sont mêlés des affaires des Kényans. Franchement, je sais pas trop, j'ai pas compris moi. Bon, ils ont quand même créé, alors bon, on appelle ça plutôt, moi j'appelle ça plutôt une ruche horizontale. Et là, l'idée, c'est que la ruche, au lieu d'être verticale, vous avez vu que là, les blocs, quand il n'y a plus de place dans la ruche, on peut rajouter un bloc. Oui, on part dessus. Et du coup, il y en a des fois qui ont 7 blocs, hein, une tour, une vraie tour. Et bien la tour, là, elle est horizontale là-bas. D'accord. Là, l'idée, c'est que, ok, vous avez un truc qui est très gros. Moi, je l'ai transporté dans ma voiture, je peux vous dire que c'est pas du gâteau. Mais une fois que c'est installé, ça ne bouge plus et il n'y a qu'un seul étage. Ce qui veut dire que quand vous ouvrez le toit, là, vous avez accès direct à n'importe quel endroit. Ah, c'est génial. Ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Et en plus, en dessous, là, il y a sur la partie gauche, il y a une vitre. On peut ouvrir la porte avec une vitre et on peut les regarder. Donc, il y a des atouts quand même pour la ruche horizontale. Mais moi, l'objet de départ est beaucoup trop gros pour moi. Ça me plaît pas trop, quoi. C'est trop lourd au départ. Je préfère commencer avec une petite boîte comme la ruche varée. Mais c'est vrai que le désavantage de la ruche varée, c'est que, en plus, quand on veut rajouter des blocs, on est censé le faire par en dessous. Alors vous voyez le bordel. Il faut démonter les blocs, mettre le bloc en dessous et remonter. Il y a plein d'apiculteurs qui ont des lumbagos. Alors du coup, il faut s'acheter une machine pour pouvoir soulever. Ouais, c'est pas. On peut pas dire que c'est. Parce que c'est pas un poids, ça. Ah surtout quand vous avez du miel.
C'est très lourd. Hein. Vous portez un bloc, vous portez un bloc si vous êtes pas mal costaud. Deux blocs, personne ne porte pas deux blocs, c'est pas possible. Surtout quand il y a du miel. Hein. Donc effectivement, c'est pas, il n'y a pas que des avantages. Et là, moi, c'est une que j'ai inventée là, à droite. Oui. Ah. Celle-là, elle n'existe pas. Elle est unique ici. Tiens, il y a un frelon. Vous avez vu frelon? Oui, je l'ai vu là. Il est bien gros. Hein. Ouais. Et il commence à grossir en plus. Ils sont petits normalement à cette époque. Et là, là, je l'ai appelée la ruche panier varée. L'idée, bon, la ruche panier, c'est la ruche du Moyen Âge. Oui. Ici, c'est le, je l'ai mis parce que ici, c'est le, là-bas aussi, un frelon qui capture. Il est tombé au sol. Comme ils sont petits, ils ont du mal à porter l'abeille. Il tombe au sol. Donc, il est tombé au sol, il va repartir. Donc, j'ai mis pour le côté démonstratif et pour les enfants de l'école Brassens, j'ai mis une ruche panier. Mais ça fait 3-4 ans et à chaque fois en hiver, les colonies meurent. Alors je me suis dit, c'est bien le côté pédagogique, mais moi je veux bien que les abeilles survivent aussi. Et donc je me suis dit, non, mais là j'arrête. J'arrête, mais je voulais quand même garder la ruche panier. Alors je me suis dit, c'est pas assez grand la ruche panier, je vais mettre des blocs varés en dessous. Et c'est super cette idée, parce que dès que j'ai mis, c'est expérimental, j'ai fait ça comme ça au hasard, hein, comme tout ce que je fais, et dès que j'ai mis le panier sur un bloc, toutes les abeilles sont descendues et elles ont été dans le bloc varé, avec l'air de dire hey, nous on est modernes, le Moyen-Âge ça va, nous on voit du varé, on y va quoi. C'était drôle quoi. Et j'ai laissé tel quel. Et la bonne surprise, c'est que quand les blocs varés ont été bien bien colonisés en dessous, elles sont montées. Ah, c'est génial, là, j'étais super content. Du coup, il y a plein d'abeilles partout. Du coup, c'est devenu une colonie forte. C'est génial. Ah là, je suis content. Il faudra voir comment ça se passe en hiver. Bon, il y a un petit défaut au-dessus, c'est qu'il y a des trous partout au-dessus, là. J'ai mis des barrettes pour combler. Mais en réalité, pour l'instant, c'est plutôt un avantage parce que les abeilles, elles sortent par en haut. En hiver, je ne pourrais pas laisser ça. Il faudra que ce sera plus étanche. Mais pour l'instant, franchement, je suis content. En plus, c'est un look d'enfer. C'est original. Ah bah tu peux y aller là, tu peux y aller, tu peux y aller, tu vas voir, il va venir te voir même. Et en plus il y a une belle activité là sur le... Ouais, donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa, c'est un bon look. Faut que j'enlève les barrettes et que je mette quelque chose d'un peu plus étanche. Et c'est joué, j'ai un nouveau type de ruche. Ah ouais, ouais, bah ouais c'est... Dans le petit déjeuner des enfants. Ah ouais, carrément. Du lait. Carrément, vous le faites. On leur met du miel. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Bah, du coup, maintenant, quand on va chez les gens, là, on était chez ma tatie, elle a pas de miel. Ah. Elle a voulu qu'on a fini les marrons. Je dis oui, mais elle a dit, il n'y a pas de miel. Et c'est ça, vous êtes sortis, vous êtes dit, allez, j'ai vu qu'il y a un rucher, je vais aller ouvrir une ruche, récupérer 100 grammes de miel et revenir. Là, il y a plus que 100 grammes dans les ruches. Hein. Tiens, il y a encore un frelon. Non, peut-être pas. Je sais pas, c'est peut-être un... Non, c'est pas un problème. Et ces histoires de reines, ça fonctionne comment? Eh bien, dans une colonie, il y a une seule reine. Comment est-ce qu'elle est désignée? Alors, comment elle est fabriquée? Imaginons que dans n'importe laquelle des ruches, la reine meurt parce qu'elle était malade ou peu importe. À ce moment-là, les abeilles sentent qu'il n'y a pas de reine parce qu'en fait, toutes les abeilles sont contrôlées, elles sont contrôlées chimiquement par la reine. Donc... Dès qu'il n'y a plus de reine, c'est la panique, elles sentent qu'il y a un problème. Donc à ce moment-là, si elles ont de la chance d'avoir des œufs, et là il y en a partout des œufs, il y a des rayons. Dans les rayons, les abeilles stockent du miel, ça tout le monde le sait, mais aussi des œufs qui deviennent des larves, et aussi du pollen pour se nourrir. Et donc qu'est-ce qu'elles font les abeilles? Elles vont chercher des œufs de 3 jours, de moins de 3 jours, et si... ces œufs sont nourris exclusivement avec de la gelée royale, une espèce de mixture ultra riche, et bien ça donne une reine. Et la reine, en fait, c'est une abeille quelconque, mais comme elle est nourrie exclusivement avec ce truc ultra riche, elle devient plus grande que les autres. D'accord. Elle devient plus grande que les autres et elle est une reine, elle est potentiellement une reine. Et du coup, après, comment ça se reconnaît? Pour la reconnaître? Bah si on ouvre, en général les apiculteurs ils mettent un point de couleur pour la reconnaître plus facilement. Mais si on est patient, il faut être très patient parce que là dans ces ruches là il doit y avoir 40 000, 50 000 abeilles peut-être, 30, 40, 50, enfin c'est beaucoup. Donc il faut être très patient pour la chercher si elle n'est pas colorée. Et donc on regarde et on voit parce qu'elle a le corps beaucoup plus long,
Et du coup, les ailes qui sont de taille normale ont l'air plus petites. Donc on la reconnaît tout de suite. On la reconnaît tout de suite. Si vous allez sur Internet et regardez les photos, vous verrez que la forme est très très jolie, forme oblongue. On reconnaît. On reconnaît vraiment facilement. Et du coup, les autres abeilles, comment est-ce qu'elles se reconnectent chimiquement du coup à cette nouvelle reine? La reine a une puissance. C'est un petit peu comme si nous, en interne, on est contrôlé par des hormones dans tous les coins. La reine, elle fait ça, mais à l'extérieur de son corps. D'accord. Elle balance des phéromones. Ah oui, d'accord. Et ces phéromones contrôlent le corps des autres abeilles. Et j'ai même lu des articles qui expliquent que les phéromones de la reine, et même peut-être aussi des autres abeilles, peuvent modifier l'organisme des autres abeilles. Ah oui. Vous imaginez? Donc c'est un... Et du coup, ces abeilles-là, de notre point de vue, il faut considérer que les abeilles, c'est des petits robots. Hein. Ah ouais, c'est des petits robots. Chaque abeille fait exactement ce qu'elle est prévue de faire et elle se spécialise. Elle se spécialise. Mais c'est vrai que s'il n'y a plus de reine, les abeilles peuvent pondre. Elles peuvent pondre, mais ça fait que des mâles. Quand les abeilles, ça fait que des mâles. Et quand la reine contrôle la ruche, elle empêche les abeilles de pondre. D'accord. Donc si jamais il n'y a plus, une façon de voir qu'il n'y a plus de reine, c'est qu'on a des ruches bourdonneuses. Il y a trop de faux bourdons. C'est comme ça qu'on peut se dire, tiens, trop de faux bourdons, probablement la reine n'est plus là, les abeilles se sont mis à pondre. C'est la catastrophe, hein. Parce que s'il n'y a plus que des faux bourdons, c'est la fin de la colonie très vite. Hein. Les faux bourdons, ils servent que pour la reproduction. Ils travaillent pas trop, en tout cas on ne sait pas s'ils travaillent. Ils vont pas chercher de nourriture, ça en est sûr. Ah. Et ils sont même pas capables de manger tout seuls. Il faut que les ouvrières les nourrissent comme des bébés. Oh là là. Donc, c'est un pacha, mais sans le pouvoir. Ouais, c'est pas un pacha, il est en réalité il est complètement dépendant. Moi, j'aimerais pas être un pacha comme ça. Hein. En fait, il est tellement dépendant que quand on n'a plus besoin de lui, et ça a commencé là en juillet, les faux bourdons, ils sont sortis de la ruche et ils vont mourir de faim tout seuls. Donc c'est pas forcément, c'est un pacha pas forcément très enviable. Hein. Mais moi j'ai vu ce que je voulais voir, je crois avoir vu deux frelons, c'est pas énorme. Hein. Ouais, bon non, mais de toute façon ils viendront. Hein. Là les nids sont petits, mais là il n'y a pas de doute sur ça. Hein. Les nids vont grossir. Et du coup, vous faites quoi, du miel? Là le miel, moi je le garde et je le donne aux enfants de l'école Brassens. Ils viennent voir des démos. Bon, il y en a eu deux classes. Ah oui, c'est vrai, parce que moi mon fils il a fait Brassens et il a changé. Bah là il y a eu que. Oui, là on l'a, ça fait 2-3 ans qu'on le fait. Il y a juste deux classes qui sont venues. Donc c'est pas industriel non plus. Hein. Mais moi, c'est intéressant pour les enfants. Ah ouais. Au début, je voulais pas le faire, moi. J'aime pas trop les démos, genre à la télé, avec le cadre, on cherche la reine et tout, j'aime pas ça. J'aime pas trop ce spectacle rabâché. Et puis là, non mais j'ai vu qu'ils étaient tellement bon public et tout, tellement contents de voir les abeilles que je me suis dit, bah ouais, il faut le faire. Moi. Vraiment, c'est les enfants qui m'ont convaincu que c'était une bonne idée. Vous avez reçu qui comme le prince? Oh, pff. Ouais, moi je m'intéresse pas beaucoup aux gens. Hein. Je rigole. Non, mais je connais pas son nom. Peut-être qu'elle savent pas, j'en parle. Bon, ben dans l'école, ils le savent. Bah, peut-être qu'on le fera plus souvent. Mais disons que moi, je fais un truc un peu spécial. C'est-à-dire que je fais pas les démonstrations habituelles où on sort un cadre et un autre. Ce que je fais, c'est que je montre un enruchage. C'est plus original. Je viens avec un carton et je montre, quand on a des essaimages, les gens nous appellent. Ah, catastrophe, il y a un essaim chez nous, on est presque, c'est la fin du monde. Donc ils appellent les apiculteurs, on vient chercher l'essaim. Moi, je le récupère dans un carton, par exemple 20 000 abeilles dans un carton. Je les amène ici et puis je transfère les abeilles dans une ruche. Et c'est ça que je montre. C'est original, personne ne voit ça d'habitude. Donc c'est pour ça que je préfère montrer. C'est pour ça que je préfère montrer ça aux enfants. Mais du coup, il faut avoir un peu de chance parce que le jour de la démo, il faut avoir les seins. C'est pas là, le timing n'est pas. C'est pas toujours. C'est pas facile. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. Bon, mais moi, je vais m'en retourner. Je pense que j'ai largement vu ce que je voulais voir.
J'ai vu deux frelons, mais je ne considère pas que c'est une pression quelconque. Je vais attendre. En fait, j'avais installé des protections. Et là, je les ai enlevées pour voir si les frelons revenaient. Pour l'instant, je considère que c'est toujours pas le cas. Je vais attendre 2-3 jours. Et si je vois qu'il commence à y avoir une pression, je remettrai les pièges pour voir si fonctionne bien. Donc là, voilà, je viens tous les jours et je regarde où ça en est. Allez, je suis parti. Bonne journée à vous. Allez, au revoir. Bon, alors j'avais scotché la boîte à livres pour que les guêpes partent, mais quelqu'un a enlevé le scotch. Donc la prochaine fois, il faudra que je revienne et que je mette du scotch, mais plutôt comme un joint. Plutôt comme un joint, parce que sinon, moi j'étais persuadé que personne n'ouvrait la boîte, on avait scotché. Hein. Mais apparemment, bon. Donc là, j'ai vu que les guêpes sont revenues. Voilà, une guêpe qui est revenue. Il n'y en a pas beaucoup, je pense que c'est une guêpe qui est un peu perdue. Voilà, donc je reviendrai et je ferai un petit joint pour la boîte. Allez, fin de la vidéo.